Le message a été enregistré et diffusé à la télévision, mais le ton n'a pas changé. 48 heures après le premier discours, de nouveau, Kadhafi accuse les islamistes de manipuler les manifestants et cette fois, il met directement en cause Ben Laden. Ben Laden a dit qu'il exploiterait les jeunes de moins de 20 ans. Ces jeunes qui prennent des drogues ne connaissent pas les effets de ces substances. Les personnes qui instrumentalisent la jeunesse doivent être arrêtées. En accusant Ben Laden et les islamistes, Kadhafi chercherait à diviser et à gagner du temps. Il fait aussi de l'épouvantail islamiste, donc un moyen pour dire à l'Occident, soit moi, soit les chaos, soit les islamistes. C'est un jeu qui tourne court maintenant, car lui, il veut avoir plus de liberté pour continuer à contrôler une situation dans la situation dans certaines zones de Libye. Comme avant-hier, le discours est confus, les arguments incohérents. À ceux qui l'appellent à partir, le colonel Kadhafi répond que son pouvoir est seulement moral. « Je n'ai pas le pouvoir de faire des lois ou de faire appliquer la loi », dit-il. « La reine d'Angleterre n'a pas cette autorité, c'est exactement mon cas ». Et le dirigeant libyen affirme que le pouvoir est au contraire entre les mains des Libyens. « Vous êtes responsable de ce qu'il se passe dans votre pays », leur assure-t-il, « que ce soit la paix ou la guerre, c'est votre choix ».